Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Evoland 2 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés juste ici, tout en haut du mont Alpha, et nous allons tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Et donc nous allons tout de suite continuer. Ah. Je crois savoir ce qui va se passer. Attendez, je remets bien mon casque. Voilà. Kuro, ne me dis pas que... Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pour cette fois, je suis d'accord avec Mlle Fina. Cet appareil m'a l'air dangereux. Il doit bien y avoir un autre moyen d'accéder à la pyramide, non? Oui, un autre moyen. C'est l'évidence même. Oh non, Mélos, aide-moi. Je n'ai vraiment pas envie de voler. Enfin, pas dans cette machine en tout cas. Je vais peut-être faire un effort. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir, Kuro. Oh, elle veut me faire plaisir. Et donc là, c'est la phase... Ah, la miniature. Miniature de ma vidéo. Je vous laisse deviner quelle phase c'est. De toute façon, vous le voyez. Mode shoot them up. C'est bon qu'on gagne de l'XP quand même encore. Ah, on gagne de l'XP. Très bien pour XP ça. Comme un nul. Level up. Hein. Plus 5 HP. Nice. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu là. Ah, amélioration. Un boss. C'est mort. Allez. C'est fini? Déjà fini. Ok. Ah non. Je vous laisse profiter de la musique parce qu'on n'entendra pas longtemps, je pense.
J'ai mal optimisé. Put. Par contre, je sais pas s'il y a un niveau supérieur ou amélioration 2, on verra bien, peut-être pas. Le boss? Enfin, un deuxième boss peut-être? Non. Oh non, il faudrait que j'utilise plus. Level up encore une fois. Pourquoi c'est du bon XP gratuit hein? C'est mort, encore un boss, c'est mort. Peut-être une dernière phase. Puis ce sera peut-être le boss final de la Flash Map, hein, qui sait. Il y a du monde hein. Je déteste ces mobs là. Alors, bientôt. C'est la vidéo où je peux pas, bien entendu. Je n'ai pas du tout prendre. J'ai fait l'imbécile. Baouz peut-être. Voilà encore une phase comme ça. Oh.
Oula, il commence à avoir vraiment du monde là. Ah, c'est pas que ça me gêne, mais. Et voilà. Bouse, bouse, bouse. Ah, ça m'en a tous l'air que le boss arrive. Ah, de changer de place. Arrête. Je vais mourir. Ah, je suis mort. Ah, c'est chaud. Faites que je recommence au boss quand même. Voilà. Ouf. Je suis qu'à niveau là, niveau 17, bientôt 18, ok. Ah, fin de la shmup. Bien joué Kuro. On approche de pyramide. Est-ce que tu sais comment atterrir? Oui. Ah, ah. Parfait alors. Dis-moi que tu as déjà piloté ce genre d'engin. Oui. Ah, bon, ça me rassure. Il faut descendre et vite, maintenant. Kuro. Tu es vivant? Non. Tu as raison, fais semblant. Rappelle-moi de ne plus jamais te laisser conduire ce genre d'engin. En tout cas, c'était bien visé, ce Lichnail. Nous sommes arrivés au sommet de la pyramide du prophète, et c'est cela le plus important. Mais non, ce n'est pas le plus important, on a failli tous y rester, c'était beaucoup trop dangereux. Je n'en suis pas certain. J'ai bien réfléchi depuis que nos routes se sont croisées. Tout ce qui nous arrive, cela ne peut pas être uniquement le fruit du hasard. C'est à croire que tout se conjugue pour que nous soyons les acteurs principaux d'une histoire qui nous dépasse. Aussi quelque chose ou quelqu'un a influencé notre destin. Je croyais que tous les démons ne croyaient pas au destin. C'est le cas. Ou plutôt ça l'était. Je ne sais plus quoi penser. Et voici donc la... Donc de là... Ok, faute de frappe. Donc la fameuse pierre du temps. Il y a deux qui est en trop là, les développeurs. Super, on la décroche de la vite fait et on en parle sans que. Et on part sans que personne nous voit. Trop tard. Ainsi donc, tu es revenu. Vous savez que ce n'est pas poli d'attendre les gens qui sont en train de. Je suis chez moi. Je parle comme je veux. J'ai longtemps attendu ce moment. Chaque jour, petit à petit, gagner en puissance, obtenir cette pierre. Au pouvoir de vaincre, grand destructeur. Hein? C'est confirmé. Je dis que le grand destructeur.
C'est aussi probable que 2 plus 3 font 7. Il faudrait que je vérifie. 2, 3, 7. 2 fois 3 fois 7 font 42. Le chiffre du grand destructeur. Il va falloir se caler maintenant, monsieur le prophète. Super Saiyan? Oh, ouais, Super Saiyan. On entend le bruit derrière. Il semblerait vouloir t'affronter en combat seul, ce sera un bon entraînement. Un conseil, arrange-toi pour le vaincre avant que ce ne soit lui qui gagne. Il est utile de me remercier, je suis là pour t'aider. Je suis certaine que tu peux le vaincre, je vais faire de mon mieux pour te soutenir. Ah d'accord, mode versus fighting. Une partie de Pierre Fritizo aurait été moins dangereuse, n'est-ce pas? Ah d'accord. Quart de cercle là. Je suis vraiment pas très fort au jeu de combat. Hein. On fait l'ultra. Je meurs. Il n'y a pas les touches. Avec la Q3. Ah voilà l'ultra. Je sais pas trop comment je l'ai fait, mais je l'ai fait en tout cas. Allez viens. Tatomasi, il s'aime pas ou Ken? Peut-être pas en fait.
Tomoki, c'est bon, ok. Je sais vraiment pas comment j'ai fait l'ulti tout à l'heure. Ah, foot. Comment j'ai fait? Garde cercle peut-être. Je suis coincé. Ok. D'accord. Chaud quand même. Hein. J'essaie de... Je ne suis pas très fort versus fighting. Hein. Nice. Premier round ici. Plus qu'un seul. C'est chiant. Vous m'entendez sûrement marteler maintenant. Ma manette. Hein. Oh flûte, je suis mort. Ça va être chiant. La phase de versus victime pas très bien faite, je trouve. Est-ce qu'il suffit pas de spammer le bas? On dirait pas, non. Et j'ai compris comment faire le shoryu à peu près. Ça c'est fait. De spammer toi. Y'a que moi qui peux spammer, pas toi. Adorken.
me dis pas que je recevais, ça va encore bugger. Me dis pas que ça va encore bugger. C'est chiant. Je ne sais pas comment lancer le ki. Enfin, le. Ultra. Je ne perdrai pas cette fois-ci. Je voulais finir avec l'ultra, mais on dirait que ça marche pas. C'est pas grave. Ouais, j'ai gagné. Tu es vraiment le plus fort, grand destructeur. Pourquoi appelez-vous Solid Snake, grand destructeur? Je l'ai reconnu. Comment l'oublier? Je n'étais encore qu'un enfant le jour de la catastrophe. Mais c'est bien lui. La prophétie ne ment pas. Il rassemblera les cinq clés. L'eau aura tout. Il détruira le monde. Qu'est-ce qu'il raconte, Kuro? Ce serait toi qui auras causé cette catastrophe? Dis-moi que c'est pas vrai. Mademoiselle Fina. Solid Snake a perdu mémoire. Il ne sait rien de son passé. Mais si on retourne à notre époque, tout ceci n'est pas encore arrivé. C'est donc son futur. C'est une question de point de vue. Mais dans ce cas, il suffit d'empêcher que la prophétie ne se réalise. Tu entends, Kuro? Je ne te laisserai pas devenir le grand destructeur. Prenons la pierre du temps et rendons-nous sur l'île de Magie. Sur l'île Magie. Je joue pas au bowling avec Fragile. Ok. D'accord, d'accord. Qui est-elle? Tu vas perdre du temps, Kuro. C'est bien, je compte sur toi. Nous nous reverrons. Ce serait la fille qu'on aurait sauvée dans le passé. Ok. Eh bien, on va se rendre sur l'île, puis on va s'arrêter là. Ok. Et voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheStay, prochain type en HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo!